bafandi okisa bible na yo telefone eza kofumbama tozolapele yo okanga volume bibele babible ekoma na batelefone eza mabe te mais kanga nde volume si possible tiango ata na mode avion po ozotanga malachi oyoka pele ekoti na bible yango ekimi ezalaka bongo te ezalaka bongo te ozosala lecture apele ekoti bible ekimi apele esafishe na telefone alo tia ata na mode avion soki babengi yo ekokota te mpona pambola biso tolobi nkolo apambola biso koya kozelaka bapele na kati ya kilte te onatiki telefone akofuma mpo bakobenganga mpona bima eza badistraction inutile kanga telefone na yo zwa attention na yo nyonso tia na iloba na zaba litoyi moko ezoyokala parole litoyi mosu ezozela apele distraction makasi nzambe apambola yo na kombo na yesu. Tobingi le docteur Alain Zuzikonde pona liteya je crois que le bien-aimé Zéphirin Zawana pona kolibola. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je répète, soyez bénis au nom de Jésus. Nous savons que le Seigneur est là ce soir. Et lui-même s'occupera de chacun de nous. Parce qu'il est là. Ok, la marche continue. Et par la grâce de Dieu, nous allons mettre le point virgule du dimanche. Demain, ça sera la pause. Et le dimanche, nous allons mettre un point virgule. Nous insistons. C'est bien la fin. Et nous disons ceci. Il y a un lépreux dans la Bible. Il s'agit de Naaman. Il devait se jeter 7 fois dans les eaux du Jourdain. C'est-à-dire le chiffre devait être respecté. 7 fois. Si Naaman s'est jeté 6 fois, la lèpre ne pouvait pas quitter Naaman. Il fallait qu'il respecte dès la première fois, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, jusqu'au septième. Et c'est là qu'il y a tout ça, autant et Bandeliki non ensemble. Et tout ce temps ici, nous sommes aux eaux. Tant qu'on vient sur eau, tout ça, la carte, il y a pas mal. Ce sont les eaux de la parole. Ils ont pas mal, il y a les lois. Et on est en train de se jeter. Et tout ça, pour me boire. Nous avons commencé le mardi. Le mardi, on s'est jeté. Mardi, tu me bois kaki. Le mercredi de même, on s'est jeté. Mercredi, le sous-sous, tu me bois kaki. Hier, on s'est jeté. Lobby, tu me bois kaki. Aujourd'hui, nous sommes venus aussi pour se jeter. Les lobby, tu y es pour te me bois kaki. Les dimanches, on s'est jeté. Paix, mon coloyer, quand tu me bois kaki, le sous-sous. Et on verra ce que le Seigneur fera. Paix, tu me bois kaki, le sous-sous. Et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Pour dire tout simplement, ne manque même pas un seul jour. Il faut respecter les chiffres. Acclamez pour le Seigneur. Le thème est affiché là
au tableau. Milakisi na biso eza na tableau. La trajectoire de l'arche. Itakoli ya masua. La distance parcourue par l'arche. Molayi oyo masua ezo tambola. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, lelo na ngolo ya Nzambe, nous allons parler les sous-thèmes. Nous allons prendre le chiffre 150. Nous allons voir chiffre 150. C'est-à-dire, nous allons parler du chiffre 150. Donc, on l'obéit à 150. Et aussi, il y a d'autres ingrédients aussi que nous allons ajouter. Peut-être qu'on va dire ça, mais là, on commence sur le colo. Ok, lisons d'abord. Donc, Tara m'a promis. Prenons le livre de Genèse, chapitre. Prenons Genèse, chapitre 7. Pourquoi il y a une bandela? Prends d'abord Genèse chapitre 6, le verset 14. Vous pouvez y battre là. Après, tu vas prendre Genèse chapitre 7, le verset 24. Merci, mon roi. Genèse 7. Vous qui écrivez, écrivez seulement Genèse chapitre 6, 7, 8. 9. Ici, maintenant nous lisons Genèse chapitre 6, le verset 14. Nous sautons Genèse chapitre 7, le verset 24. Tout à l'heure, comme on a dit, fais-toi une arche de bois de gopher. Mais ça, c'est là, ma soeur, il y a du bain à gopher. Tu disposeras cette arche en série. Pour ça, la masoua a bon habité, limité. Et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Père, pour tiens, bon, na balani, na kati, pe na libanda. Genèse 7, verset 24. Les eaux firent grosses sur la terre. Ma belle, Ezalaki. Les eaux firent grosses sur la terre. Ba maï, Ezalaki, minene, na ma belle. Pendant 150 jours. Mikolo kama na moko tuku mitano. Ok, acclamez pour ces écritures. Je vais tenir ma copie ma coco. Nous disons ceci. Désolé, Baboy. Avant de toucher ce sous-terme. Je voudrais flasher quelque chose. Vous savez, nous sommes ici pour écouter le son de la harpe. Lorsque David jouait à la harpe, là nous sommes dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 16. Nous allons regarder 1 Samuel 16. Il y a le roi Saoul qui était tourmenté par le mauvais esprit. Mais au son de la harpe, les esprits sortaient de Saoul. Et aujourd'hui, le véritable son de la harpe, c'est cet enseignement que nous venons d'écouter ce soir. Et nous croyons que dans cet enseignement, il y a la délivrance. Dans cet enseignement, il y a le secours de Jésus-Christ. Vous devez croire en ça. Parce que le juste vivra par la foi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous savez, il y a deux instruments qui ont accompagné Job dans les temps de la détresse. Lorsque Job était malade, était abattu, abandonné par ses amis, même abandonné par sa femme. Il y a d'autres femmes qui ne supportent même pas la souffrance. La femme de Job dira à Job,
Moi si à Job Azolobanaï. Maudit seulement Dieu. Alobi Finga na Yonzambe. Et après tu vas mourir. Bongo yo kokufa. Vous voyez, il était abandonné. Yempena basundola bien. Mais il y a deux instruments qui l'ont suivi. Ezana biloko ya musique mi balé, ezala kinaye. Là où il était abandonné. Et sika o batika kié. Parfois ce soir aussi tu es abandonné. Car on se sent pas abandonné. Yobé osa komi sentir pena o mi batika. Il y a un instrument qui ne peut jamais t'abandonner. Kasi ezana eloko moko ya musique ko kotika yote. Les deux instruments de musique. L'instrument mi balé ya musique voilà. C'était la harpe et le chalumeau. Ces deux instruments de musique n'ont pas abandonné Job dans le temps de Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous savez, lorsqu'on parle des instruments de musique, Paul a fait mention des instruments de musique. Paul a donné sa biloko wana ya musique. 1 Corinthiens chapitre 13. Il a fait mention des instruments de musique. Lorsqu'il a parlé des trompettes et d'autres instruments de musique. En réalité, Paul parlait des hommes. 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de l'instrument de musique qui a suivi Job dans les temps difficiles, c'est tout un homme. L'instrument où ils allaient qui job n'a pas pas ces années moto. L'instrument qu'on appelle la harpe, c'est un instrument à cordes. Instrument où vous avez gardé les allaient. C'est comme la guitare, c'est un instrument à cordes. Ils allaient la guitare et après ils allaient. Pour que cet instrument puisse émettre les sons, il faut d'abord qu'on puisse jouer à la corde. Oui, c'est instrument des bimbi samakeli les segini va bêta basinga l'ango. Par contre, le chalumeau, c'est un instrument à souffle. Si chalimo esa instrument va tchaka mon pépé. Pour que cet instrument puisse donner le son, pour être instrument de paix, ça va quelle. Il faut qu'on y souffle. Et c'est qu'elle va tchaka mon pépé. Et lorsqu'on souffle, quand on va tchaka mon pépé, dans le chalimo, na katia chalimo, c'est alors que le chalimo dégagera le son. Des chalimo et pépé, ça va quelle est l'encore. Ces instruments, ce sont des hommes ou c'est un nom. Instrument en esa patoté, esa ponto. C'est pourquoi lorsque Dieu a créé Adam. Adam devait parler. Adam est celui qui a l'oba. Mais avant qu'Adam ne puisse parler, Adam a l'oba. Il lui fallait d'abord que le Seigneur, l'Éternel, puisse souffler. Et c'est celui qui colo a pémé la yépéma. Adam c'était un instrument de musique. Adam a zalé instrument de musique. Mais le chalumeau. Kasi chalumeau. Il lui faut d'abord que Dieu puisse souffler. Et c'est celui qui a pémé la yépéma. Alors que Adam pouvait parler. De Adam c'est celui qui a l'oba. Regardons, ce n'est pas l'homme qui avait péché, c'est la femme. Tala mobali a sumkabite kasi mwasi. En réalité, c'est la femme qui avait péché selon l'enseignement de Paul. Mais l'homme a participé au péché de la femme. Lorsque l'homme a vu que la femme était déjà dans une mauvaise place, l'homme était un chalumeau. Il était obligé de suivre sa femme. Le véritable chalumeau, c'est le Seigneur Jésus. Le souffle de Dieu qui est l'Esprit était descendu. Lorsque l'Esprit qui est le souffle était descendu en Jésus. Alors que Jésus a commencé à parler, c'est ce qu'on appelle le ministère de Jésus. Et il était cet instrument qu'on appelle le chalumeau. Étant le chalumeau, il ne pouvait jamais abandonner son ami Lazare. Là où Lazare était abandonné par son propre sœur, il sent déjà. Parfois ce soir, il y a quelqu'un qui est en train de sentir. Mais Jésus, comme le véritable chalumeau, il est capable de te suivre là où tu es. Ce soir, que le Seigneur Jésus-Christ te suive. Il soit un secours qui ne manque jamais au temps. Dans 2 Rois chapitre 3 verset 15. Le prophète Élisée devait prophétiser. Mon sapoli Élisée, c'est que la qui a sapola. Mais avant de prophétiser, il bossait à sapola. Il a dit, cherchez-moi un joueur de la harpe. Alors, il faut que l'on ait un joueur de la harpe.
Et lorsque le joueur de la harpe s'est présenté, commençait à jouer à la harpe, et le prophète a commencé à prophétiser. En d'autres termes, c'est donc qu'on appelle la prophétie. A pour base le son de la harpe. Amen. C'est-à-dire, le don qu'on appelle la prophétie a pour base sous-bassement le son de la harpe. La prophétie, c'est en rapport avec l'enseignement. Toute prophétie qui ne cadre pas à l'enseignement des apôtres, c'est l'esprit de Python. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous devez avoir l'esprit de discernement. J'insiste, tout don qui ne cadre pas avec l'enseignement des apôtres, qui est le son de la harpe, c'est l'esprit de Python. Le diable se déguise aussi en ange de lumière. C'est pourquoi si vous prenez 1 Corinthiens chapitre 12, c'est là où Paul a parlé des dons spirituels. Mais regardons avant qu'il parle de ces dons-là, qu'il donne des détails sur les dons, il a commencé par dire ceci. Pour ce qui concerne les dons spirituels, frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Pour dire tout simplement, les dons spirituels, nous devons les désirer. Nous devons aimer les dons spirituels. Mais premièrement, vous devez être enseigné. Vous devez être enseigné. Pourquoi? Parce que c'est un domaine que le diable utilise aussi. Si le peuple n'est pas enseigné, regardons, vous serez roulé par le diable. Mais si vous êtes enseigné, l'enseignement c'est le son de la harpe. Le prophète ne pouvait jamais prophétiser. Sa prophétie avait pour base le son de la harpe. Tout ton doit avoir pour base l'enseignement. Est-ce que vous me suivez bien? Le sous-bassement, c'est l'enseignement des apôtres. Je peux vous donner un exemple. Aujourd'hui, il y a plusieurs églises. Vous allez là-bas pour qu'on vous donne la prophétie. Mais on vous demande d'abord une action de grâce. Mais ça n'a pas de trace dans les saintes églises. En tout cas, dans ma commune, on vous demande l'argent. Achète d'abord une chaise. Ça, c'est l'esprit de Python. Ce n'est pas le don de Dieu. Vous savez, l'esprit de Python, dans Actes des Apôtres 16:16, une femme comme ça, qu'on utilisait avec cet esprit-là de Python, c'était pour le commerce. Hein? C'est-à-dire, ces dons-là travaillaient pour le commerce. Si vous voyez, on prend un don et on l'associe au commerce. On l'associe à l'argent. Si elle n'est pas là, c'est l'esprit de Python. Cela. Et d'ailleurs, on ne fait pas la publicité pour les dons spirituels. On ne fait pas la publicité. Venez ici. Vous allez voir ceci. Non, on ne fait pas la publicité. Le don lui-même, c'est toute une publicité. On ne fait pas la publicité. Si vous voyez, on fait la publicité pour les dons. Dieu n'est pas là.
le Seigneur Jésus-Christ vous. Ça, c'est le balamisme. What is a balamisme? Ça, c'est l'esprit de Python. Et ça, c'est le jézabélisme. Et vous savez que Jézabel se disait aussi prophétesse. Jézabel va dans le baïe et Mosakoli. Apocalypse 2, 20 dit ceci. Apocalypse 2, 20. Ce que j'ai contre toi. Oh, nazo, ya, bo, na, yo. Et que tu laisses cette femme appelée Jézabel. Cette femme Jézabel. Moi si, Jézabel. Qui se dit prophétesse. Oh, nazo, bimenga, Mosakoli, ya, moi, si. Elle se disait prophétesse. Ya, manaye, bimenga, Mosakoli. Séduire. Enseigner mes serviteurs. Regardons les serviteurs de Dieu. Si vous êtes en face d'un esprit de Jézabel, il faut ôter les médailles. L'esprit de Jézabel, on ne laisse pas l'esprit de Jézabel agir. L'esprit de Jézabel, il faut s'opposer à cet esprit. Et surtout ceux qui te montrent que nous sommes dans l'assemblée des saints. Si tu nous vois entrer dans une assemblée des saints, nous allons te chasser. Acclamez les saints. Je voulais d'abord vous exhorter. Un ministre, c'est une sentinelle. Le tomo azalaka mokengeli. Il doit veiller sur le peuple. Yesengeli akengela libota. Ok. La trajectoire de l'arche. Itangoli yamasua. Nous disons la trajectoire, c'est la distance parcourue par l'arche. Zolobela molai oyo masua ezotambola na yango. C'est comme les jets de pierre, les jets de pierre. Déjà le voilà au Bamba Libanga. C'est-à-dire lorsqu'on lance une pierre, la distance parcourue par la pierre. On l'a eu au Libanga et au Sala. Ou les jets de flèches. Donc au Beta flèche. C'est comme Jésus dans le livre de chapitre 22. Donc voilà Jésus dans mon calendrier. Il a fait une distance d'un jet de pierre. C'était à Gethsemane. Vous voyez, c'est la distance parcourue par la pierre. Et lorsque Jésus a pris cette distance d'un jet de pierre, c'est là où la pierre c'est là où la pierre achève sa course. Et si ka oli banga ezo silisa banga nango. Qu'est-ce que je voudrais dire? Nini toliki toloba. En Israël, il y a ce qu'on appelait la lapidation. Na Israël, ezalaki na obane ko benga ko banga mabanga. Surtout lorsque on surprenait une femme d'adultère. Ce qui va gagner moi si moko na bondumba. On devait la lapider. Et c'est là qui va bambaye mabanga. Maintenant, lorsqu'on lance la pierre, tango bazo bamba libanga, là où la pierre achève sa course. Et si kali banga kokoya, l'objectif. Et si kawana, c'est ça qu'on appelait jette de pierre. Yango ne bandaye kobenga ekwa keli libanga. Cette personne là lapidée. Moto wana oyo bambaye mabanga. Cette personne qu'on lapide. Moto bazo bamba mabanga. Devient l'objectif de pierre. Alors, lorsque Jésus a pris cette distance-là d'un jet de pierre, cela veut dire tout simplement Jésus-Christ est l'objectif de pierre. C'est-à-dire, Jésus comme il est. Jésus comme il est. Donc c'est lui dont lorsqu'on jette une pierre, la pierre tombe sur lui. C'est tout un langage. Esaïe l'obéi. En d'autres termes, c'est lui qui devait porter nos jugements. Alors l'Église Moïse dit c'est qui a même mis sa bise dans la bise. C'est ça le jette de pierre. Yabone voit qu'il m'avaga. C'est comme Job. Esaïe le colla Job. Job était l'objectif des flèches de Dieu. Job a dit que si qu'avoir une flèche complète, on savait c'est qui pouvait. Lorsque Dieu avait lancé ses flèches. Quand on dit qu'on va ta flèche. Toutes ces flèches sont tombées sur Job. Ce Job là, c'est l'image du véritable Job qui est Jésus. Job voilà dans la caille, solo et dans la. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ est venu. Maintenant, regardons avant d'avancer. Nous disons ceci.
Le problème de l'arche, il fallait d'abord que Dieu agrée Noé. Et lorsque Dieu a agréé Noé, par Noé, Dieu a agréé toute sa famille. C'est-à-dire, si les fils de Noé sont sauvés, leurs femmes sont sauvées, c'est parce que Dieu a agréé leur père. Qu'est-ce que je voudrais dire encore? C'est comme dans le livre de Lévitique, chapitre 23. Lévitique, chapitre 3. Lévitique, chapitre 23. Lévitique, était à Tukumi Bale, na Molongo ya Misato. Et aussi, Deutéronome, chapitre 16. C'est dans Mokanda, Deutéronome 16. Nous sommes en train de remarquer quelque chose. Nous sommes en train de remarquer. On nous parle sur les fêtes de l'Éternel. Parmi les fêtes de l'Éternel, il y avait la fête des prémices. La fête des prémices, c'est une fête qui est liée au champ. Fête des prémices, c'est-à-dire lorsque un Israélite, quand moi na Israël moko, cultive son champ, à Salimi Langanaye, il aura les premiers fruits. Alors, avant qu'il ne touche aux autres fruits, il faut d'abord que ces premiers fruits soient agréés à Dieu. Qu'il prenne ces fruits et apporte au sacrificateur. Il devait prendre une gerbe comme prémisse, la porter au sacrificateur. Et le sacrificateur va l'agiter d'un côté à l'autre. C'est comme ces jours-là. Jésus-Christ aussi devait être agité d'un côté à l'autre. On pouvait l'agiter vers Hérode. On pouvait l'agiter vers Caïphe. On pouvait l'agiter vers Pilate. Alors, lorsque Dieu a créé cette gerbe, c'est alors que tous les champs seront agréés. Il faut d'abord que la gerbe, comme prémisse, soit agréée. Et aujourd'hui, la gerbe est agitée vers l'église. Mais demain, la gerbe sera agitée vers Israël. Mais lorsque la gerbe est agréée, c'est alors que tous les champs aussi seront. Regardons, je suis où? Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. Nous sommes dans 1 Corinthiens 3, 9. Vous êtes le champ de Dieu. L'église, c'est le champ de Dieu. Mais pour que ces champs-là soient agréés, il faut d'abord une gerbe comme prémisse soit agréée. Il faut d'abord que Noé soit agréé. C'est alors que ses fils aussi seront agréés. Noé comme la gerbe. Noé pose la liboke à Matthieu. L'image de Jésus. Esaïe qui a été agréé par Dieu. Ouais, ni maman qui est pas en zambé. Et par Jésus-Christ, nous aussi nous sommes agréés. Ben Angela, Jésus m'a dit à viser ton ni mamie. Je t'assure tout ce que tu demanderas. Au nom de Jésus, Dieu t'écoutera. Toute prière que tu feras aujourd'hui, Dieu va l'écouter. Pourquoi Dieu va l'écouter? Parce que toi tu es agréé au travers de Jésus-Christ. Même ce soir, bannis la crainte, bannis la peur. Longola kobanga.
ne te tourmente plus. Yoko comme Jésus a été créé, Yesu animamaki, Dieu est obligé aussi de t'agir. Dieu est obligé d'agréer même tes prières. Zambé a kokamba même na ndela lo sam. Ma prière ce soir. Lo sam on a mis na poka lelo. Que le Seigneur t'agrée. Kolo animayo. Il agrée tes prières. Anima ma sambola yo. Tande ko kotaka ko kotaki na mitungisi. Même si tu es en train vraiment embêté. Mais Zambé o ya chaka lo yembo na minoko ya bato. Bien qui met les chants dans la bouche d'un homme. Bien azwa ki pesa lo yembo chez na monoko na an. De la même façon a mis les chants chez an. A che témoignage na monoko ya an. Il a placé un témoignage. Que le Seigneur prenne le témoignage et mette dans tes lèvres. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, Noé qui est agréé. Noé, où est-ce que maman? Noé représente la gerbe comme prémisse qui devait d'abord être agréée. Noé, azoza la liboke à liboso et segeli et ni maman. Quand Noé est maman, alors, ça vient de la résine. Hein? Lorsqu'on fait, on chauffe ça, il y a une manière qu'on couvre ça, cette toile-là. Et souvent, c'est de la couleur noire. Ça sort aussi du goudron. Hein? La résine sort aussi du goudron. Ça sort aussi du goudron. Et lorsqu'on met ça soit dans l'arche, comme on a mis dans l'arche, ou on met ça dans une maison, on la met comme une colle. Pas seulement une colle, mais aussi comme une couleur. Vous voyez, c'est comme ça qu'on a mis ça dans l'arche. Ça veut dire que ça pouvait servir de la colle. Quand ça sert de la colle, c'est pour bien souder et lier les bois. Parce que l'arche a été faite de bois. Et c'était aussi la couleur. Et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et lorsqu'on met cette résine-là, même si les tempêtes s'élèvent, même si le vent se soulève, le vent souffle contre l'arche, l'arche sera toujours intacte. Vous voyez, à cause de la résine là, tous les bois seront soudés. C'est comme les écailles des crocodiles qui sont bien souillées. Même le vent souffle dans notre église. Le combat vient. Nous n'allons pas nous trahir. Nous serons toujours soudés. Parce qu'il y a une résine qui nous soude. Il y a la poix qui nous soude. Alors, cette poix qui nous soude, qui fait que nous soyons animés d'un même esprit, en réalité, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes soudés par l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est merveilleux. Hein? Alors, il y avait cette poix-là qui soudait bien le bois. Même si les tempêtes se levaient, le bois était toujours collé à l'arche. C'est-à-dire il y a quelque chose qui te colle, qui te soude à Jésus-Christ. Parce que la véritable arche, c'est le Seigneur Jésus. Et toi, tu es aussi membre de cette arche. Mais il y a quelque chose qui fait que tu sois soudé à Jésus. Même si le vent, les tempêtes venaient, tu ne trahiras pas le franchir parce que tu es soudé toujours. Qu'est-ce que je voudrais dire encore? C'est comme le souverain sacrificateur. Vous savez, dans les livres de la vérité, dans les saintes écritures, il y a une seule personne qui genèse jusqu'à l'Apocalypse.
suka. Vous portez la ceinture sur la poitrine. Si vous prenez le livre de Lévitique chapitre 8, vous allez voir, il y a une seule personne qui portait sa ceinture sur la poitrine. Et la personne qui portait deux ceintures, c'était Aaron. Aaron portait d'abord la ceinture de la tunique. La ceinture de la tunique, Aaron la portait sur ses reins. Par contre, la ceinture de l'effort qui soutenait le pectoral, là où il y avait les pierres, ces pierres représentaient les 12 fils d'Israël. Cette ceinture, Aaron la portait sur la poitrine. C'est pourquoi si vous venez dans Apocalypse chapitre 1, vous remarquez un fils de l'homme qui de la ceinture sur la poitrine. Ne faites même pas de calcul. Ne raisonnez même pas. Selon les Écritures, ce fils de l'homme là, c'est un souverain. Alors pourquoi Aaron portait cette ceinture sur la poitrine? Dans la marche, les vents peuvent surgir. Mais les pierres étaient bien soudé sur la poitrine. Même si les vents se soulèvent, Aaron dira: Père, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Parce qu'il y a une ceinture sur la poitrine qui sert ce pierre pour que ce pierre ne puisse pas tomber. Voilà, l'église, c'est comme on y monte. Dans une église, quand tu vois un fidèle, un petit problème et il fuit. Comprenez qu'il n'est pas sur la poitrine du souverain sacrificateur. Sur la poitrine, il n'est pas là. Et ce qui peut te faire fuir l'église, ce qui fera que tu puisses sortir de l'église, c'est le fond enseignement. Et ça, ah, si vous voyez dans l'église, on change l'enseignement. Ce qui est au moins dans l'église va changer l'idée. Comme je venais d'introduire, avant de prophétiser, venez avec les gestes. Venez avec les actions de grâce se donnent après. Action de grâce, c'est ça, ma simalité. Toi, tu n'as pas encore travaillé et tu demandes l'action de grâce. Les actions de grâce, c'est après, vous allez salamis. Parce que je suis enseigné. Je veux que Dieu agit et je donne mon action de grâce. L'écriture dit des contraintes. L'écriture dit celui qui donne, il donne avec son celui qui donne doit donner librement. Lorsqu'on change l'enseignement, l'esprit de Python entre dans l'église. Beaucoup d'autres choses entrent dans l'église. Il faut sortir de l'église. Mais ce qui va m'accompagner, si des petites choses. Tata pasteur a soigné dans moi aussi. Le pasteur se chamaille avec sa femme. Mais tata pasteur, il bosse à moi en ensemble. Le pasteur est un enfant de Dieu. Ça est la doctrine que nous pouvons aller. Va voir le pasteur. Solo là, là. Parle avec lui. S'il est de Dieu, il va s'immiler. Colo Yesu a pour la vie. Colo a pas pour la. Oh, ma frère, beaucoup a besoin de problèmes à l'église. Non. Il y a des frères qui peuvent se quereller. Non. Problème, il y a un secours à l'église. Ça va payer, ça va toujours solution. Tout problème à l'église, Dieu donne la solution. Et le Seigneur Jésus-Christ. Colo a pas pour la vie. Si vous voyez l'enseignement va changer, l'enseignement va la débiter. Soyez bénis au nom de Jésus. Ok, les pierres sont bien serrées sur la poitrine.
Pour dire tout simplement, Jésus ne perdra jamais ses brebis. Parce que ses brebis sont bien serrées sur sa poitrine. Et c'est ça le bois qui est attaché à l'arche. Et la poix fait l'œuvre de la sentie. Pour bien attacher les bois sur l'arche. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous serons toujours attachés à l'arche. La marche que nous avons commencé, comme il y a la poix qui nous lie à l'arche, c'est jusqu'à la fin de l'arche. Soyez bénis au nom de Jésus. Ok, voilà un peu ce qu'on pouvait ajouter. Nous sommes en train de faire et préparer le chemin pour parler du chiffre 150. Parce que 150, c'est vraiment prophétique. Alors, on doit préparer le chemin. Et lorsque l'arche a commencé la marche, l'Écriture dit ceci. Les eaux grossirent. Et les eaux ont emporté l'arche dessus. C'est parce que aussi Noé avait respecté les médias. Celui qui respecte les principes de l'évangile, il sera toujours au-dessus des eaux. Et l'arche était au-dessus par respect des messieurs. L'Écriture ajoute ceci. Les eaux grossirent, engloutirent les montagnes. Là, il y a d'abord les premières montagnes qui ont été englouties. Et il y avait une distance de 15 coudées. Les eaux étaient au-dessus des montagnes de 15 coudées. Le chiffre 15. Chiffre 15. C'est-à-dire, si vous avez ce chiffre 15 là, ceux qui ont 15, vous serez au-dessus des montagnes. Parce que les eaux étaient au-dessus des montagnes de 15 coudées. Moi, je voudrais avoir ce chiffre là 15. Moi, je voudrais avoir ce chiffre là 15. Pour avoir le pouvoir sur les montagnes. On a besoin. Si tu as le chiffre 15, il sera au-dessus des montagnes. Il sera au-dessus de toute autorité. Il sera au-dessus de toute domination. Qu'est-ce que le chiffre 15? Le chiffre 15, je suis quelque part. Je suis dans la fête des pains sans levain. Le chiffre 14, c'est le chiffre de la Pâque. 14 est le chiffre de la Pâque. L'agneau était immolé au 14e jour. Exode chapitre 12. Exode 12. C'est-à-dire le chiffre 14, c'est le chiffre de la Pâque. Chiffre 14 est un chiffre à participer. C'est-à-dire l'agneau immolé. Moi, je n'ai pas de azokoufa. Vous allez dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5. Ok, dans mon carnet, 1 Corinthiens 5. Le verset 6 à 8. Okitina 6 à 8. Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ. C'est l'œuvre de la croix. Ça, c'est le chiffre 14. 14. Soyez bénis au nom de notre Seigneur. Le chiffre 14, 14. Christ de notre Pâque a été immolé. Donc, je me demande pourquoi l'Écriture n'a pas dit Jésus notre Pâque. L'Écriture précise Christ notre Pâque. Il y a un Christ qui meurt. Mais il y a un autre Christ qui ne meurt pas. Christ.
Regardons, il y a d'autres personnes qui disent que le Christ ne meurt pas. Nous disons Amen, mais c'est quel Christ qui ne meurt pas? Si un autre Christ ne meurt pas, alors viens enlever 1 Corinthiens 5. Parce que dans 1 Corinthiens 5, 6 à 8, on parle de Christ. Regardons, lorsqu'on parle de Christ, le Christ c'est loin. Dans l'ancienne alliance, il y avait l'onction sacerdotale. Non. Ancienne alliance de la Guinée, ma foute à et sa malagina sacerdoce. Avant que les sacrificateurs ne commencent le travail, il faut d'abord qu'on puisse loindre. Les bossons à Gantamba, Bandamosale, c'est qu'elle qui va pas pour la haine. Là, nous sommes même dans le livre de Lévitique, chapitre 8. Moi, nous allons mon candé à Lévitique 8. En dehors de l'onction sacerdotale, les bandes à Koupakola, Manakatia, Mosala, l'onction prophétique, c'est toujours dans l'onction sacerdotale. Koupakola, Manakatia, Sakolami, et Zapeka, Nakatia, Mosala. Il y avait l'onction royale. Mais à la qui peine en onction à Bakosi. Le roi aussi. Alexandre de Saoul, donc là, Saoul et David, David, avant de commencer son travail, il faut d'abord qu'on lui verse le Seigneur qui va pas pour la vie. Mais là, ce point là, c'est ce point là qu'on appelle Christ. Mon pas pour la vie, on a des oiseaux avec la Christ. Christ est venu tout simplement, celui sur qui on verse l'huile d'onction. Christ est un haut oiseau pas pour la macouta. Maintenant, le Christ qui meurt, c'est le Christ comme serviteur, comme sacrificateur. Christ oiseau couffa, à le voilà mon sali ben gaza. Là, il est appelé à mourir. Wana yazo kweya. Mais le Christ est comme roi de mer ou pas? Christ le voilà mon conzi à couffa gaté. C'est pourquoi lorsqu'on présentait, on présentait Saoul comme roi. Y'a mon temps, on va zon tali sa Saoul pour le voilà mon conzi. Dans le livre 1 Samuel, chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11. Dans le livre 1 Samuel 10, 11. Le peuple s'est exclamé. Gote zon kama. Vive le roi! Pour dire tout simplement, Christ est comme roi, il ne meurt pas. Bon, Apolobaïte, Christ, le voilà, mon côté, pour pas gagner. Il doit vivre. Et c'est qu'elle est dans la mort. Mais le Christ est comme sacrificateur. Christ, le voilà, comme serviteur. Le voilà, mon sang. C'est lui qui doit mourir. Yeah, c'est qu'elle a coupé. Jésus est mort comme serviteur. Yeshua coupa le voilà, mon sang. Comme sacrificateur. Le voilà, Kangazam. Amen. Pour le Seigneur. Faites la parole à vos mots. Et le chiffre 14. C'est le chiffre de la Pâque. Et ça, chiffre, il n'y a pas si là. Mais après la Pâque, le chiffre 14, il a le chiffre 15. Dans si, il n'y a pas si là 14, et ça, le chiffre 15. Le chiffre 15. 15. C'est la fête de pain sans levain. Et ça, fête, il y a ma Pâque. Christ de notre Pâque a été immolé, célébrons la fête. Yesu, pas si la vie soit à Koupa qui tous ces pays-là. Cette fête-là, c'est la fête de pain sans levain. Fête, il y a ma Pâque, et cette fête commence. Au 15e jour. Faites-tu aller manaki mon colère zomé dans mi temps. Ça veut dire chiffre 15, vous entrez déjà dans la fête des pains sans levain. 15 et ça fait tu as mappé dans les foules. Et aujourd'hui nous l'église nous sommes dans la fête des pains sans levain. Ben les lobbies sont dans la fête tu as mappé dans les foules. Et le peuple qui est dans cette fête là. Les beaux taoïs dans la fête tu vois. Il sera toujours au-dessus des montagnes. Y'a encore la carte les colères en combat. Dans la fête des pains sans levain. La fête tu as mappé dans les foules. Comme ce soir nous sommes en train de vous distribuer les pains sans levain. Nous sommes en train de manger les pains sans levain. Et le peuple qui est dans cette fête-là, aujourd'hui l'église, c'est un peuple qui a l'autorité sur les montagnes. Vous avez l'autorité sur les démons. Vous avez l'autorité sur les maladies. Vous avez l'autorité sur la pauvreté. Parce que vous êtes dans la fête des pains sans levain. Parce qu'on a la fête, il y a ma pésage foule. Soyez bénis au nom de Jésus. Parole à ma parole à Jésus. Le juste vivra par la foi. Voyez que venez à Kobika la Kodima. Vous savez, lorsque moi je vais partir, dans mon bisou, tu m'occupes. Comment on reconnaît qu'un vrai serviteur vous a visité? Non, lorsqu'il va vous donner les dos, vous allez voir les choses qui vont se faire ici. Amen. Là, je vous dis la vérité. Vous voyez, vous allez voir ce qui arrivera. Vous allez comprendre que un vrai serviteur de Dieu vous a visité. Le frère Dimanche
bandeko ya Cameroun babengaki biso. Nous avons une grande armée là-bas. Toza na ba mapinga ya minene kuna. Dans tout le Cameroun. Na Cameroun mobimba. Commençant par Douala. Kobanda na mboka Douala. Yaoundé. Na mboka Yaoundé. Bertoua. Na Bertoua. Bolova. Kuna. Bafoussam. Na Bafoussam. Et toutes ces villes. Pe ba mboka nyonso wana. Nous avons une grande armée de ce que j'apprécie chez les Camerounais. Ce que j'apprécie chez eux. Quand je suis là, vous allez voir. Il y a des hommes d'affaires. Il y a des hommes d'affaires. Il y a des professeurs d'université. Ils ont battu au battant à l'université. Ils abandonnent leurs travaux. Oh, bah, c'est un petit cas, mais ça, ils viennent écouter l'évangile. Bah, soyez accueillis, qualité, solo. Du matin jusqu'au soir. Bah, d'attendre quoi qu'il en soit. Non, ça, j'ai apprécié. Ou on a toujours ces plans là, les gens laissent leur travail. Ils viennent écouter la parole du matin au soir. Nous sommes là, nous travaillons. Donc, nous allons apprendre de ça à mon sala. Nous commençons du matin jusqu'au soir. Ils viennent écouter. Parce qu'il y a quoi, ça, j'ai apprécié. C'est un peuple très aimé. Et ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, Père. Lorsque vous avez mis seulement les dos, il y a des grandes choses qui se sont passées parmi nous. Et c'est comme ça qu'on reconnaît un vrai serviteur. Et ça va se faire aussi ici. Lorsque nous allons vous donner les dos, Dieu vous fera des grandes choses. C'est pourquoi ne manque jamais. Même si on ne parle pas de ton problème, tu verras la gloire de Dieu. Même tu es venu aujourd'hui, sois là aussi le dimanche. Vous allez voir comment le Seigneur va se faire. Acclamez le Seigneur. Bénis la gloire de Dieu. Ok. Maintenant, je vais toucher le chiffre 150. Vous savez, nous venons de lire l'Écriture. Dans Genèse chapitre 7, le verset 24. L'Écriture dit ceci, noir sur blanc. Les eaux firent grosses sur la terre pendant 150 jours. Mikolo 150. Ce sont les eaux du déluge. Les aba mai oye kogoma. Noé c'était un homme prudent. Noé azamoto o azana bokemi penza. Proverbe chapitre 22 le verset 23 dit ceci. Proverbe 22 23. L'homme prudent voit les mal de loin et il se cache. Moto ya mayele amona kama be lobi pe azako bibomba. C'est-à-dire Noé a vu déjà les déluges de loin. Noé amona ki mai e kokoma mokili na. Et il s'est caché dans l'arche. Pe ami bombi na kati ya masua. C'est comme nous aussi. Ezalo kola bisolelo. Nous voyons les jugements qui vont s'abattre sur la terre. Et nous sommes en train de nous cacher dans une véritable arche qui est Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Mais l'entrée de Noé aussi dans l'arche, c'est l'image de l'enlèvement de l'église. Lorsque l'église sera enlevée, c'est alors que l'Éternel fera ceci. Parce que ces eaux-là qui ont englouti la terre, qui ont frappé la terre, ces eaux sont sorties des cieux. Pas seulement des cieux. Ces eaux sont sorties aussi des abîmes. Et bima qui vient à ser ma belle.
voyez, vous en voyez, c'est-à-dire Dieu avait ouvert les abîmes. Ces jugements-là du temps de Noé. Et ça, c'est le wana na tango ya Noa. Avait pour source. Et dans la kina oyo ekubanda. Les ciels. Ma kolo. Mais pas seulement les ciels. Les akara ma kolo te. Mais aussi la Bible. Pe na se ya mabele. Suivez-moi très bien. La dame là. Nous allons dire des choses très importantes sur les plans prophétiques. Toko loba makambo ya motuya na lisakoli. Et ces eaux là. Pe ba mayi wana. Signe du jugement. Oyo talisa et sambiseli. Sur la terre, Namabele, ses eaux grossissent. Les eaux firent grosses sur la terre pendant 150 jours. Après 150 jours, Nasima, mikolo 150, les eaux ou l'arche s'est arrêtée sur la montagne d'Arara. Masua, ezabu, telema, na bangomba, ya rara. Mais Noé n'est pas sorti. Hein? Noé n'a pas bimité. Dans cette partie-là, non. On va la toucher le dimanche. Et si on a aussi, bah, on 150 jours. Mais Noé n'est pas sorti. Il était Noé sur la montagne d'Arara. L'arche s'est arrêté sur la montagne d'Arara. Et na ngomba ya rara. Juste après 150 jours. Après Mikolo 150. Nous disons ceci. Tozolobagoye. La montagne d'Arara. Ngomba ya rara. C'est la montagne où le sommet le plus haut. Et za ngomba oyo eleki ba ngomba nyonso na molayi. C'est-à-dire il y a des montagnes et montagnes. Et za na ba ngomba pe ba ngomba. Parmi toutes les montagnes. Na ba ngomba nyonso. Le sommet le plus haut. C'est Arara. Si vous prenez le livre d'Apocalypse chapitre 17, aussi pour garder Apocalypse 17. Là, on vous dira que les montagnes, ce sont les rois de la terre ou les royaumes de la terre. Ici, c'est un langage imagé parce que nous sommes dans l'ombre. Mais sur le plan prophétique, lorsqu'on parle des montagnes, ce sont les rois de la terre ou les royaumes de la terre. Mais parmi tous ces royaume, il y a le royaume qui est le plus haut. Na ba continion sorala ezana ko continion ko za molayi makasi. Le royaume qui est au-dessus de tous les royaumes, c'est la montagne d'Arara, c'est le royaume de Jésus. Mon continion za ni kolea ko continion c'est za ngomba ya rara to ko continion ya Jésus. Si vous remarquez, l'arche s'arrêtait sur la montagne d'Arara. Tant que zomona masua ko suka la ngomba ya rara. Le sommet le plus haut. Ngomba o eleki molayi. C'est ce que Jésus-Christ avait dit. Vous êtes une ville située sur la montagne. Mais pas quelle montagne. C'est la montagne qui est au-dessus de toutes les montagnes. La montagne qui est au-dessus de toutes les montagnes, c'est le royaume de Jésus. Et le royaume de Jésus sera établi sur la terre au temps du règne millénaire. Au temps du règne millénaire, le royaume de Jésus sera établi sur la terre. Et il y a un peuple qui est l'arche de Dieu à qui on donnera cette montagne. Lorsque ce peuple lui donne cette montagne, c'est un peuple à qui on donne le royaume de Jésus. En d'autres termes, qui entre dans le royaume de Jésus. Et avant que ce peuple entre dans le royaume de Jésus, il faut d'abord les 150. Les chiffres 150. Les eaux furent sur la terre pendant 150 jours. Après les chiffres 150, ce peuple possédera la montagne. Et le Seigneur Jésus dit, tu vois les vagues, toi crois que tu arriveras à la montagne, la montagne la plus haute. Dieu va t'élever, Dieu va t'élever, Dieu te fera des grandes choses. Acclame pour notre Dieu. Ok. Je prends une écriture. Juste quelques minutes, je vais vous parler du chiffre 150. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 9.
Apocalypse 9. Là, il s'agit de la cinquième trompette. Vous allez remarquer dans le livre d'Apocalypse chapitre 9. Apocalypse 9. On remarque un ange qui vient ouvrir l'abîme. L'abîme était fermée. L'abîme est à la guerre au Karama. Et l'ange a ouvert l'abîme. Mais moi, j'ai donc fait mon aéro. De l'abîme sortit la fumée. La carte est abîme de Milinga et Zobima. Lorsque cette fumée est sortie, dans mon Milinga, on a ébimé. Cette fumée a fait que le soleil, la ligne n'éclaire plus la terre. Milinga, on est au soleil, t'es moi, il peut s'entendre et gala les sous sur mon pied. L'air était obscurci. En tout cas, ma colleuse a la qui m'a lili. Et le soleil ne pouvait plus éclairer, la ligne ne pouvait plus éclairer. Mais moi, il y a un santa, pourquoi est-ce que mon père s'est volé dans ma côté? Des saintes fumées sont sorties de souterraines. Milingawana et Bibina Kata Milinga, ma banque qui va tomber. Regardons, lorsqu'on regarde cette souterraine, la sauterelle est divisée en deux parties. Il y a la partie de la tête, ses dents sont comme le dent du lion. Et lorsqu'on regarde la queue, la queue c'est comme la queue du scorpion. Est-ce que vous avez déjà vu une telle sauterelle? Cette sauterelle ici sur la terre n'existe pas. Pour dire tout simplement, c'est une sauterelle prophétique. Qui mérite une explication. Mais cette sauterelle là, on lui donne de faire du mal. On lui a donné le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Lorsqu'on parle de 5 mois, les 5 mois dans les Saintes Écritures, c'est 150 jours. Vous voyez, les 5 mois c'est 150 jours. Le son c'était un signe du jugement. Et le son devait venir aussi de la Bible. De la même manière aussi, les sauterelles sont sorties de la Bible. Il faut qu'on d'abord la Bible. C'est alors que la fumée devait sortir. De la fumée, la sauterelle est sortie. Et cette sauterelle avait comme pouvoir devait agir pendant 150 jours. Est-ce que vous remarquez la coïncidence avec les autres qui devaient faire aussi 150? Et ces sons aussi sont sortis de la Bible. Il y a une partie qui est sortie de la Bible. Je vous assure, sur le plan prophétique, lorsque le Seigneur exercera le jugement sur la terre, il y a des jugements qui viendront d'en haut. Les jugements qui viendront d'en haut, c'est comme lorsqu'on remarque dans Apocalypse chapitre 8, un ange qui prend l'ascenseur et jette cet ascenseur sur la terre. C'est ça le jugement qui vient d'en haut. Et le jugement n'est pas seulement venir d'en haut. Le jugement doit venir aussi de la Bible. Et le jugement qui vient de la Bible, c'est ça la Bible qui s'ouvre. La fumée sort. Et la fumée, la sauterelle sort. Que Dieu nous bénisse. Que vous fasse du bien. Regardons, lorsque le Seigneur nous explique des choses très difficiles, ce Seigneur est capable aussi de résoudre nos problèmes les plus compliqués. Un évangile qui explique les choses difficiles, cet évangile sera aussi en mesure de résoudre les problèmes. Alors regardons l'ouverture de la Bible. Le jugement, c'est en haut. Et où en haut, c'est l'éternel.
Les angolo. L'ange qui lance l'ascenseur. Moi, j'adore voir car ascenseur. Mais en dehors de ça. La libanda la yango. Le Seigneur utilisera aussi. La Bible pour le jugement. L'ouverture de la Bible, c'est quoi? Lorsqu'on parle de l'ouverture de la Bible, comprenez que la Bible aussi était fermée. Comme aujourd'hui, la Bible est fermée. Lorsqu'on regarde, où on prend Apocalypse chapitre 11, le verset 7, là on nous parle de l'ouverture aussi de la Bible. Lorsque la Bible est ouverte, au lieu de la fumée, c'est une bête qui sort de la fumée. On nous parle de la bête qui sort de la fumée. Par contre, dans Apocalypse chapitre 9, lorsque la Bible s'ouvre, au lieu de la bête, c'est la fumée qui sort. Nous comprenons que cette fumée qui sort, c'est la bête qui agissait dans le mystère. Mais lorsque la Bible est ouverte, la bête n'agira plus dans le mystère. Et ça sera après l'endroit. Mais lorsqu'il sortira, il viendra avec la fumée. Cette fumée aura pour objectif d'obscurcir le ciel. Que le soleil est aligné ne pousse plus éclairer. Alors que le quatrième jour de la création visible, dans Genèse chapitre 1, lorsque le Seigneur a créé les lumières, que Dieu te bénisse. Lorsque le Seigneur a créé les lumières, l'objectif des lumières c'était pour éclairer la terre. Maintenant, lorsque la bête se manifeste, n'agit plus dans les mystères. Son objectif sera de combattre la lumière de Dieu. Et que la terre ne soit plus éclairée. Pour dire que la bête, l'antichrist, pour que toute la terre soit remplie de ténèbres. L'objectif n'est qu'on s'en a. Que la terre soit obscurcie. Mais il y a pour être ma belleza dans la ténèbre. Lui viendra pour que la terre soit obscurcie. Si tu vois les gens combattre les magies, c'est l'esprit de l'antichrist. C'est un esprit à monter. N'appelle pas que les gens soient éclairés. C'est l'esprit de l'antichrist. C'est un esprit. Ceux qui combattent l'évangile de l'antichrist. Les prédicateurs qui combattent l'évangile de l'esprit de l'antichrist. Antichrist. Ils ne veulent pas que le peuple soit éclairé. Maintenant, ils voudront que la terre soit obscurcie. Ils voudront que les ténèbres règnent sur toute la terre. Alors, après cela, Akoya comme sauterelle. C'est alors qu'il viendra comme une sauterelle. Comme sauterelle, Akoya l'esprit à jugement. Comme une sauterelle, il viendra juger. Si tu ne fais pas ce qu'il dit, tu mourras. La grande tribulation. Tu passeras par la grande tribulation. Il viendra avec sa personne. Lui aussi de son côté. Akoya peine à jugement. Il viendra avec ce jugement à lui. Mais qui va permettre toutes ces choses? C'est Dieu qui m'a permis. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut qu'il arrive à la fin de sa folie. Qu'il arrive à la fin de ses jugements. Lorsqu'il arrivera à la fin, c'est alors que l'arche viendra s'arrêter. L'arche qui viendra s'arrêter, c'est le temps de règne millénaire. Le dimanche, je vais commencer par là. Pour de toucher autre chose.
Avant biso,
De la même manière, puisque que tu pousses à l'élo libosonaïe, à ça, la maboka sali la biso. Quelle que soit la préoccupation, Zanamo, quelle que soit la préoccupation que tu as, tu vas dire un mot au Seigneur. L'oba et le komoko et pas yakolo, selon charge à moté manayo. Oligi kolo, dit qu'il sera malade. Et comment il s'est chargé de nos maladies, et par ce métier, nous sommes guéris. Et c'est là qu'il va nous sur la carte de la Bible, à dépenser bon qu'on n'ait pas la vie d'Anga. À l'opinion, on a eu des sous sur la vie. À dépenser, qu'on soit guéris. Mais la dame a coûté avec Yesu. À l'opinion, on a simbika, on a songé la manaye, la copika. Et moi, si on a un pika, Yesu a zana makoki passa la un miracle na koko aleloye na motomoko ou yazobela soit malade ou mili. Yesu a zana makoki ya pa kusamayi na miso ya dikabo ezo le lisa yo. Loba embo, bondela na kombo na Yesu Christo. Thank you.